Bon, allez, visitons toutes les maisons entre guillemets. Et sinon, ça fait combien de milliards d'années que t'as pas vu un client? Ma grande. Ah, visiteur depuis 300 ans! Incroyable. Du coup, ça fait 300 ans qu'elle tient son auberge et qu'il n'y a personne, et pourtant elle me fait payer le prix normal. Putain, elle est sympa, hein. Elle est vraiment, vraiment sympa. Le roi Nol nous a accordé la jeunesse éternelle en échange de la construction de son palais. Ça ne me dit rien de monter à la surface. Le problème, c'est que la vie éternelle, c'est long, surtout sur la fin, quoi. Bon, bah, du coup, on peut commencer à acheter des réserves de vie. 1200 or. Allez, gimme! Et là, hop, infinité! Infinité. Non, je pense qu'on va essayer de finir aujourd'hui. Vu que j'ai tout l'après-midi. Il est que 16h, donc je pense que j'ai moyen de finir. De toute façon, on en a pas terminé, hein. Quand on finit dans le Stalker, la suite, c'est la légende de Thor. Donc vous inquiétez pas, hein. Il y a des choses à faire encore. Il reste encore des choses à faire. On peut sauvegarder ici, on ira voir une fois qu'on aura visité toutes les pièces. Pardon, on va parler au PNJ pour voir ce qu'il nous raconte. J'ai travaillé pour le roi Nol afin d'avoir la vie éternelle, mais je m'ennuie, et voilà. Et voilà. Comme prévu, hein. Comme prévu. L'éternité, c'est long sur la fin. Le donjon est rapide. Ouais, le problème, c'est que je me rappelle plus de la route optimisée pour tout bien traverser. Donc, on verra bien. Oh, t'es sérieux. Allez, la petite safe state. En même temps que la sauvegarde de base, des fois qu'il se passe quelque chose. Bon, je pense qu'on a visité toutes les... Ah non, il manquait celle-là. Tant pour moi. Alors, les autres bouquins, c'est pour te sauver lorsque tu es empoisonné ou que tu as les contrôles inversés à cause d'une malédiction. C'est à ça que servent les autres bouquins. Pour enlever tes altérations d'état. Y a pas un cœur dans un coffre dans la zone du village? Non, je crois pas. Je peux vérifier mes notes, mais je suis quasiment sûr que non. Non. Pou. Yay! Ah, cette musique. L'intro commence par cette musique, hein, je le rappelle. Donc là, on est à la recherche de la lanterne, je crois. C'est le premier item qu'on va chercher. Je me rappelle plus, hein, donc du coup je piffe. Je piffe, on verra bien. Aucun moyen de passer plus vite, hein, en prenant des dégâts, mais c'est pas indispensable. Hein.
Ah non, c'est par là qu'on revient quand on a chopé l'épée Oméga. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Alors je le rappelle, j'en profite pour faire ma pub immonde. Il ne manque plus qu'un seul sub pour débloquer une nouvelle icône sur la chaîne. Donc l'icône est prête. L'icône est prête, c'est un tiers de Big Mac. Étant donné que chaque sub me rapporte à peu près un tiers de Big Mac, ce sera ma façon de remercier les nouveaux subs. Donc si vous voulez claquer une partie infime de votre RSA et sub à la chaîne, ça débloquera une nouvelle icône pour tout le monde. Ah bah voilà. Et voilà, Dylan Duc a claqué non pas son RSA, mais son Twitch Prime, le Twitch Prime du mois pour sub à la chaîne. Donc normalement, on devrait arriver à 10 et à une nouvelle icône. Donc merci infiniment à toi. Alors laissez-moi vérifier sur l'écran de contrôle. Ah c'est bon, on est bien à 10 subscribers. Donc du coup j'ai droit à une troisième icône. Du coup je l'upload ce soir. Et normalement je pense pas qu'elle soit refusée par Twitch. Donc du coup on devrait la voir probablement soit ce soir soit demain matin. Donc je vous tiendrai au courant via Twitter, hein, bien évidemment. Mais merci infiniment à tous. Donc là, on n'est absolument pas parti pour aller chercher la lanterne, je crois. Il me semble plutôt que c'est le chemin pour aller choper l'épée Gaïa, mais bon, on s'en fout. On doit récupérer l'épée Gaïa aussi, donc c'est pas grave. Ça m'arrange. Ah bah si, la voici, la lanterne. Parfait. Ah, elle a le fil. Ah, elle a le pif. Elle a le pif token. Elle sent que c'est par là. Et elle a pas tort, hein. Elle a pas tort, on s'approche, ma foi. Alors, laissez-moi vérifier cette salle. Normalement, ouais, je suis obligé de passer par en haut. Non, ça va, au moment où j'ai vu le message, j'étais à une case de la lanterne, donc ça va. Ça va. Allez, gimme gimme la clef. Pas que j'oublie de passer dans la zone de sauvegarde du donjon. Je me demande si c'est pas plus rapide, ouais, de passer par en bas en fait. Ouais, peut-être pas. Peut-être en évitant le combat c'est plus rapide, mais sinon passer par en haut ça doit être à peu près équivalent. Eh, merci Demagus, merci infiniment. Et merci à tous hein, pour les 500 follow de la chaîne. Ça a été un petit peu dur, j'avoue, de recommencer à streamer sur une autre chaîne alors que j'avais monté la chaîne Canon Kessen pendant très longtemps. J'avais fait mes petits événements dessus et repartir de zéro quand Gaming Live s'est lancé. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué, mais merci à tous d'avoir fait le changement ou d'être
ou d'être sur la nouvelle chaîne. Donc voilà, merci à tous. Et donc pour vous remercier, eh bien ce petit stream de Landstalker. Bon après, je vous avoue que à rejouer à Landstalker, c'est un petit peu un plaisir pour moi aussi. Hein. Voilà, il faut quand même qu'on soit d'accord. Mais c'est cool, ouais, de pouvoir refaire un Landstalker sur cette chaîne-là. J'étais pas sûr hein, si elle allait redécoller, parce que c'est vrai que la première chaîne avait eu des pics d'arrivée, notamment évidemment avec le speed nymph sur mon run de la légende de Thor. Et j'ai pas eu, c'est vrai, d'événements comme ça qui ont incité les gens à venir follow cette nouvelle chaîne. Donc du coup, bah, ceux qui ont pris la peine de continuer à me suivre sur cette nouvelle chaîne, et bah, merci énormément à vous. Merci à tous. Non, c'est bon, ça on y est allé déjà. Ah là là, mais tant d'icônes que je ne connais pas. Je dois vraiment avoir perdu dans le Twitch game parce que je connaissais absolument pas cette icône, Monsieur R. Donc la raison pour laquelle je n'utilise pas ma clé tout de suite, c'est parce que j'ai envie de voir ce qui se passe lorsque je passe à droite dans la salle des blobs. Qu'est-ce qui se passe quand je vais ici? J'avoue que je me rappelle plus trop. On verra bien. Oh là là, mais trop de nouvelles icônes. Moi, je n'arrive plus à suivre. Moi, je n'arrive plus à suivre. Hein, c'est mort. Ah, mais c'est ça. Mais putain, mais tous les subs possibles, quoi. Allez, on va tricher. On va tricher. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah là là, tentaculus. Ah, le damage boost, bien sûr. Donc il me semble que c'est le chemin pour accéder à l'épée Gaïa, hein, si je me souviens bien. Ouais, elle est là. Enfin, il faut d'abord détruire les arbres, mais elle est en dessous. Et une deuxième clé. Alors, non, on ne va pas équiper l'épée Gaïa parce que l'animation est vraiment trop longue. Donc voilà, on va continuer avec l'épée de glace. Ce sera largement suffisant. Ok, donc là, si je me souviens bien, il faut descendre. Ah non, je vais peut-être d'abord aller visiter à gauche ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Si, hein, c'est l'épée. Hein. On en discutait un peu avant, mais oui, hein, il est quasiment sûr que l'épée tonnerre fasse plus de dégâts, mais c'est juste que je risque à un moment peut-être d'avoir besoin de la tornade, donc du coup je reste sur l'épée de glace par simple voilà, c'est juste manière par praticité quoi. Je veux dire, de toute façon je tape déjà tellement fort que
Ça change pas énormément, quoi. Utiliser l'épée de glace ou l'épée... ou l'épée de foudre. Mais si, techniquement, je pense qu'il vaudrait mieux utiliser l'épée de foudre. Donc c'était bien en bas. C'était bien en bas. Ah! Normalement là c'est pour choper, voilà, le coffre qui était juste à côté. Réserve de vie. Ok. Là-dedans c'est quoi? Un ek-ek. Il ne semble pas qu'on puisse réussir cette salle sans avoir les bottes. Pas sûr. Si, si, je pensais en fait que lorsqu'on prenait des dégâts, ça cassait automatiquement le pot. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai imaginé ça, alors que c'est pas du tout le cas. C'est bizarre. Bref, on s'en fout. Bon bah voilà, on a chopé les deux réserves de vie qui étaient dans cette zone, donc du coup on peut remonter et continuer le donjon normalement. C'est bizarre que ce soit pas ouvert encore, peut-être qu'il faut appuyer sur le bouton rouge qui est de l'autre côté du niveau. Alors, normalement, on devrait pouvoir balancer la caisse sur le interrupteur qui est là. Okay. Je sais plus lequel il faut prendre. On va piffer en face, on verra bien. De toute façon, à terme, je devrais de toute façon visiter toutes les salles. Donc. Ok, donc ça, ça doit être une zone où on tombe probablement lorsqu'on loupe une phase de plateforme. Quelque chose comme ça. On va vérifier la salle tout de même. À droite. La salle de droite qui va nous amener vers l'autre partie de cette salle avec les bottes métalliques. Wow.
Alors, il faut pas balancer le truc de trop près parce que sinon il va se casser. Voilà. Sur le mur derrière. Et normalement, on devrait tomber sur les bottes. Ah! Voilà! Parfait! Pas besoin de tuer les ninjas, donc on se casse. Donc c'est marrant parce que les bottes qui protègent des pics, je crois qu'on a déjà utilisé tous les endroits où on est censé les équiper. On a déjà tout traversé, on a juste pris des dégâts, c'est tout. On va passer dans la zone 2 pour revenir en haut. Celle qui est en bas ici. Voilà, si jamais vous loupez un... Ah non! Pardon. C'est une zone normale. Ah oui, c'est vrai, ça fait apparaître des pics. Bien vu. Bien vu, bien vu. Ah, toujours l'empilement, hein! Toujours la physique particulière, on va dire, de Landstalker. Ouais, la physique très particulière de Landstalker. Lorsqu'on empile des trucs. Donc là, il y a une clé, c'est ça. Est-ce qu'il me reste encore une clé? Il me reste encore une clé. D'accord, très bien. Par contre, il faut que j'essaie d'aller en face d'abord, peut-être. Ou alors, il me faut d'abord les bottes de neige. Ouais, il me faut d'abord les bottes de neige avant de pouvoir aller en face. Okay. Donc on va continuer, du coup. Pareil, là on va descendre. Ici c'est censé être une salle où si vous vous plantez, vous tombez ici. Mais on va quand même la visiter histoire de la rajouter à notre nombre de salles visitées. Bien, réserve de vie, parfait. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc. Si je suis pas un peu trop éloigné. Et normalement ça fait disparaître la statue qui était à l'entrée de la zone 1 et qui nous empêchait d'appuyer sur l'autre bouton. Bon, je sais qu'il y a un endroit optimisé hein, pour utiliser la statue de Gaïa. Mais je me rappelle plus exactement où il est, donc là j'avais la statue en visuel, donc je me suis dit je la balance et puis on verra bien. Voilà, et normalement du coup ça a dû ouvrir en bas à droite, hein, c'est ça. Faut aller en bas à gauche pour vérifier. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Probablement une salle de retour.
D'ailleurs, il y a une salle que j'ai oubliée, je viens de m'en apercevoir. Il y a une salle en sous-sol que j'ai oubliée, dans la grande salle avec les... avec la statue, etc. Donc, il faudra que j'y revienne, faut que j'oublie. T'as loupé le bon pixel pour utiliser la statue. Ah putain, quelle tristesse. Ah là, j'avoue, c'est le dégoût. Ça va peut-être être quasiment la dernière clé du jeu, celle-ci, il me semble. Moi, j'ai vu un run de Ratfunk. Il avait oublié de lire la pancarte dans le tout dernier donjon du jeu, celle qui fait apparaître la plateforme qu'on prend pour aller descendre faire le boss rush derrière. Et vu qu'il avait pas lu la pancarte sur le mur, il est tombé dans le trou. La pancarte était pas là et il est retombé au début du donjon. Fin du run. Ambiance. Très 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 grosse ambiance. Ah oui, c'est vrai. Limon de connard. Ah ouais, non, franchement, c'était horrible. Ah là 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 là. Et le temps, évidemment, que je lui dise que je le vois se diriger vers le trou et de sauter, et lui, enfin, vu qu'il avait le chat en différé, bah du coup, bah il est tombé. Ah oh là 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 là. Mais franchement, c'est brisage de cœur en direct, quoi. Ah ouais, c'était triste. Très très triste, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que je visite les deux côtés parce que bientôt on devrait arriver à la zone de sauvegarde qui se trouve au centre, entre guillemets, du donjon final. Donc je préfère visiter les deux côtés d'abord, histoire d'être sûr de pas louper un truc. Non, je crois qu'on va devoir passer par les deux côtés, donc c'est bon. Ouais, il fallait donc commencer par la gauche. Très bien. Je ne dirai rien, mais je n'en pense pas moins. On va aller d'abord visiter la salle de sauvegarde, parce que je suis quasiment sûr que la salle de sauvegarde, elle est en face, là. Voilà, c'est pas celle-là.
Voilà, c'est lui. Par contre, je pense pas qu'on va faire la quête pour sauvegarder. Parce que franchement, je suis pas sûr qu'il y en ait besoin. Mais c'est ça, non, la salle de sauvegarde. Il faut appuyer sur différents boutons et au bout d'un moment, il y a le... Il y a le bouquin de sauvegarde qui tombe ou un truc comme ça. Donc non, pas besoin de le faire. Et je crois pas qu'il y ait d'autres objets importants. Attends, laissez-moi vérifier mes notes. Non. Il n'y a pas d'objets à récupérer dans cette zone, donc du coup je me casse. On a juste validé d'avoir... d'avoir visité cette zone, c'est parfait. Allez, on va faire le premier boss du coup, premier boss du donjon. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un petit peu de temps pour tester les dégâts des armes, tant qu'on est ici? Oh, sérieux? 10, ok. Allez, s'il te plaît. Allez, pitié. 8. En mode what? Non, attends, c'est bon, elle est pas chargée. Non, j'ai pas fait de coup chargé, j'ai bien fait attention. 1 2, on refera un test avec la glace. 3. Thank you.
6. Raté! Sans déconner. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. En gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'ils font 11 coups sur chaque épée, sauf l'épée de glace où il a fallu que 10 et l'épée de feu où il a fallu 12. Donc peut-être effectivement qu'il y a... il y a un petit truc élémentaire qui rentre en jeu. Genre si on utilise l'épée de feu sur ce boss, il prend un tout petit peu moins de dégâts. Si on prend l'épée de glace, il prend un tout petit peu plus. Mais donc, je pense qu'avec les statues d'or, par contre, on devrait être avec la Thunder devant. C'est ce qui paraîtrait le plus logique. On va vérifier. Quel enfer! Je sais plus quel est le bon angle pour ne pas se faire toucher par les attaques. 3. Okay.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors l'épée de Gaïa, fuck you, parce que de toute façon ce sera trop long parce qu'il faut se taper l'animation à chaque fois, donc voilà, même pas besoin de tester, elle est à chier. Je pense que ça prouve le fait en fait. Visiblement, l'épée éclair et l'épée de feu, c'est la même. Alors, ça c'est bizarre. Ça, c'est vraiment étrange. Je serais presque à demander l'avis de Maître Véreux, hein, parce que ça me paraît étrange. Ça me paraît très bizarre tout ça. On a vu donc que l'épée de glace était largement derrière. Et le fait que feu égale éclair, c'est... Ouais, peut-être qu'il y a une plage qui a une... Ouais, qu'il y a une plage de dégâts. Ouais. Anyway. Bon, bah, ce qui est génial, c'est que après 20 minutes de test, on n'est toujours pas plus avancé. On est même en arrière, vu que nos hypothèses ont été prouvées comme étant mauvaises. Ça fait vraiment plaisir, hein, franchement. On a fait un pas en arrière avec ces tests. C'est magnifique. Non. Voilà. Mieux. Mieux. Du coup, on se casse. Alors, Dylandu nous sort MS, c'est la Magic Sword, 1,75 d'attaque avec le truc chargé, j'imagine. Ice 1,5, Thunder 2,0 et Gaïa 1,25. D'accord. Oh, sérieusement? Il me semble pourtant que j'étais bon. Ah, j'étais vraiment pas loin. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Alors, je crois qu'il y a... Ah si, il y a les bottes à récupérer en bas. Les bottes de glace. Ici. Ha ha.
Ah bah parfait. C'est dans cette zone en bas que j'étais pas allé. Peut-être que si, finalement. Peut-être que si. J'étais peut-être descendu pour justement valider la zone. Pas grave, parce qu'on s'en fout. Ouais, si, je pense que j'étais déjà descendu. Hein. Je l'avais fait exprès. Bon, on va aller tout à l'ouest, tout à l'est, pardon, parce que c'est là que se trouve le bois à récupérer pour faire le radeau. Il y a aussi une zone avec des hommes lézards et de la neige qui est juste en dessous là. Il va falloir s'en occuper aussi. Donc le bois pour le radeau qui est à droite. Et cette salle justement, voilà là. On va aller chercher ça d'abord et ensuite on ira faire cette pièce ici. Voilà, il est là. Zone avec les hommes lézards. Cette fois, on va traverser, vu qu'on a les bottes qui nous permettent de marcher sur la neige, ou sur la glace plutôt. Alors là, si je pouvais ne pas tomber comme une grosse merde, ce serait sympa. Ah, presque, presque, j'ai failli l'avoir. C'est bon, il est beaucoup plus facile celui-là. Il semble qu'on est obligé de tuer les squelettes pour pouvoir sortir de cette zone.
pas encore de clé. Du coup, il faut aller... il faut retourner vers l'endroit où il y a les... où il y a l'ail. C'est con. Faut que je refasse la totalité de cette zone. Ah là 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 là. Ah mais les allers-retours c'est plus ou moins obligé, enfin c'est quand même le dernier labyrinthe du jeu. Hein. Là c'est la toute fin du jeu, il reste un donjon après qui est pas vraiment un labyrinthe. Hein. Donc là ils ont condensé toutes les difficultés quoi dans celui-ci. Qu'est-ce qui se passait dans cette zone déjà? Je me souviens plus. Là, on avait chopé une clé et on l'a utilisée pour justement ouvrir la zone qui nous permet d'aller parler aux nains et récupérer les bûches. Ouais, mais cette clé, on l'a déjà. On l'a récupérée, cette clé. Je suis passé dans la zone en bas déjà ici. Non, c'était là. Qu'est-ce que j'en sais moi, demande au radeau. Elle est conne celle-là aussi. On va le prendre du coup. Et là, tiens. Question au pro de Landstalker. Si on a fait le con et qu'on a ramassé qu'une seule bûche, qu'est-ce qui se passe ici? Ou alors peut-être que le jeu te laisse pas partir tant que t'as pas récupéré les deux bûches. Je pense que c'est le plus probable. Il me semble qu'on avait essayé d'ailleurs. Ah, le rollerball. Allez, crève donc.
Voilà notre clé. Parfait. C'est marrant, quand on revient ici, on n'a pas besoin des bottes qui nous empêchent, enfin qui nous permettent de passer sur la glace. Il y a moyen de faire ça, de balancer la caisse sur un blob et de sauter au-dessus du blob, il y a totalement moyen. C'est le moment où on a été le plus proche d'équiper les derniers items à chaque fois. Mais maintenant, plus besoin de changer de bottes, plus besoin de changer d'anneau. Changer d'épée peut-être, on verra. Donc on a quasiment terminé le donjon là. Il reste un dernier boss. Et ensuite on n'aura plus qu'à farmer pour avoir 99 cœurs. Non, non, pas besoin des 99 cœurs, ça fait juste partie des objectifs que je me suis fixé pour ce run en particulier, c'est tout. Ah, la baston finale! C'est vraiment une merde. Quelle tristesse. Et ben voilà, fin du donjon final. Nous voici dans l'antre du roi Nol. Ah là là! Magnifique, merveilleux! Je savais que c'est... Au moment où j'ai appuyé sur le bouton saut, je me suis dit non, non, c'est pas bon. Pareil, on visite les salles, même si ça sert à rien. Bon, ça y est, là dans cette salle, on va utiliser. On va utiliser l'épée Gaïa, ce qui va nous permettre de farmer cette zone.
Allez. Farming infini. Initialisé. Donc ça va être très long. Ça va être très chiant, mais c'est juste pour avoir ce magnifique 99 points de vie. Donc on se fait à peu près 70 par run, je crois. On peut vérifier. On est à 2320. On se fait 84 par run. Et on doit farmer pour... on doit s'acheter... Attendez, combien il m'en reste de livestock? Normalement, le 85e, c'est celui qui est dans la salle juste au-dessus. Donc il va m'en manquer 14. Donc 14 x 1200, ça fait... 10 000, 12 400. Sans compter les autres objets qu'on a achetés à Mercator. La réserve est à 1200. Ouais. Bon, 12 800 plus 3000 et des bananes. Mais après, il faut compter aussi qu'on peut utiliser le ticket de thune du vieux connard qui doit faire genre 900 pièces d'or. Donc je pense qu'on va farmer 15 000. Du coup, on va être obligé de faire un aller-retour supplémentaire. Donc ouais, ça va être un peu long, mais bon, pas grave. Donc pour parler un petit peu du run qui va suivre, donc le run qui va suivre, c'est celui de la légende de Thor. J'ai dans l'idée d'essayer de trouver tous les joyaux du jeu, donc il y en a 60. Et je suis pas certain de les connaître tous par cœur. Donc je sais pas trop si je vais être en mesure de faire les 60 dans ce run, parce qu'il y en a certains. Je suis quasiment sûr que si tu les loupes, c'est mort. Tu peux plus les avoir derrière. Donc il va falloir que je réfléchisse à comment je veux faire le jeu. Est-ce que je fais le jeu avec une Solus ouverte à côté, pas à pas? Ou est-ce que je fais le jeu sans m'obliger à trouver les 60 joyaux? Parce que il est très 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 probable que j'en rate, quoi, tout simplement. Et après, faut pas que ce soit un truc impossible à mettre en place avec la Solus d'un côté, le chat de l'autre, le OBS à gérer, le chat, enfin le... Ça peut être très vite très compliqué. Donc je sais pas, j'y réfléchirai. Je crois que je vois s'il n'y a pas une route facile à suivre qui indique les 60 joyaux dans l'ordre. Parce qu'après, les armes uniques, enfin les armes infinies dans la légende de Thor, c'est pas un problème. Ça, je peux. Ça, je me rappelle où elles sont et ce sera pas un souci de les récupérer. Enfin, ce sera un souci niveau difficulté de la zone, mais après, c'est pas un problème de les trouver, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors que les joyaux, si, c'est un problème. Donc bon, je verrai bien. Pour l'instant, c'est encore en discussion avec moi-même. Donc je verrai si j'arrive à avoir, si j'arrive à trouver un terrain d'entente avec moi-même. Ce qui n'est pas garanti. C'est bien, on a presque farmé un quart.
j'imagine que je pourrais. Je pourrais skip des frames. Je pourrais passer en frame skip et du coup on farmerait beaucoup plus rapidement. En tout cas, c'est l'idée. Mais je suis pas certain. On peut tester pour le lol si on voit. Les joyaux d'Antor, ils augmentent la puissance de l'invocation associée et ils te donnent 5 points de mana à chaque fois que tu trouves un nouveau joyau. Je crois que c'est 5 points de mana. Non. Le saut de frame est un petit peu trop important. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on est là, on va récupérer le vaisseau, enfin la réserve de vie qui est à gauche. C'est ça, je pourrais faire une scission avec moi-même, ce qui peut arriver. Ah, les inconnus, bien sûr. L'interview avant vice-versa. Les Tranxen 200. Waouh, cool, les Tranxen. Alors, est-ce que tu continues ta carrière en solo? Ouais, à part si j'ai une scission avec moi-même, ce qui peut arriver. Non, mais quand tu peux... Non mais quand tu penses que tu peux avoir le son de la contrebasse sur le display rack, c'est un concept qui est complètement glucose quoi. Ouais, ouais c'est ça, c'est glucose. Le clip, le clip. Ah putain mais j'adore ce sketch. Il est tellement craqué ce sketch des inconnus. Les Tranxen 200 quoi. Oh là 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 là. Des meilleurs, ouais, je suis d'accord. En tout cas, c'est un de ceux que je préfère. Même si, à mon avis, le top du top, c'est les chasseurs. Mais y a tellement tout qui est culte dans les chasseurs, quoi, bordel de merde. La chanson paillarde à la fin, quoi. Mais c'est du génie, quoi. C'est du génie. Mais non, il croucroute pas, il craquette. Ah non, c'était Gérard. Putain, mais... Non, mais la chasse, c'est une communion avec la nature, tu vois. Oh, merde. Ouais, c'est ça, il y a des bons et des mauvais sketchs, exactement. Ouais, de toute façon, c'est des questions à la con, ça. Ah là là, le bon et le mauvais chasseur. Ah, je l'attendais, celle. Je l'attendais, celle. Bon, le bon chasseur. Le mauvais chasseur. C'est un mec qui a un fusil. Il voit un truc qui bouge et il tire, quoi. Et bien sûr. Ah, c'est pas la même chose. Il y a le viandard, il y a le non-viandard. Ah là là. Heureusement que le futur de l'humour français est entre bonnes mains. Entre Kev Adams et Anne Romanoff, on est vraiment bien.
Et oui, j'utilise. Ouais, je cite Anne Romanoff alors qu'elle a 50 plus années. Mais. Depuis qu'elle est passée chez Drucker, elle est sortie de l'ombre. Elle était genre 20 ans. Hein, ça faisait 20 ans, quoi. Un truc comme ça qu'elle faisait. Qu'elle faisait des sketchs. Enfin, qu'elle faisait des one-woman show. Et que c'était de la merde. Et malheureusement, vu qu'elle a été engagée chez Drucker, bah l'humour est devenu mainstream. C'est toujours de la merde, hein. C'est toujours, à mon avis, une des pires humoristes françaises qui m'ait été donné d'entendre. Mais elle a sa place chez Drucker. Donc du coup, ça... j'imagine qu'elle a gagné de la notoriété. À mon avis, elle aurait dû rester dans son égout qu'elle aurait jamais dû quitter, mais bon. Bref. J'imagine que si j'aime pas, n'en dégoûte pas les autres, hein, mais on me fera pas changer d'idée, hein, que c'est probablement un des plus mauvais humoristes que la France ait connu. Anne Romanoff. Enfin, bref. Haters gonna hate, hein, de toute façon. Bon allez, mais bientôt à 9999. Enfin, bientôt, tout est relatif, bien sûr, mais bon. Je pense que le seul humoriste que je regrette vraiment qu'il soit pas sorti de l'anonymat, parce qu'il est connu dans les milieux autorisés, quoi, mais... c'est Selig. Selig, c'est un mec, il me fait rire depuis, depuis 15 ans, quoi. Et j'arrive pas à comprendre qu'il ait pas plus de succès que ce qu'il a, quoi. Parce que franchement, en dehors de Rire et Chanson, j'arrive pas à trouver de enfin, j'arrive pas à le voir sur des médias mainstream. Et franchement, mais ce mec, il est... Il est super agréable à écouter, quoi. Son sketch sur la, sur les faux culs, sur la mauvaise foi, mais il est tellement culte. Quand il te raconte tous les trucs qui t'arrivent, où t'es obligé de jouer la... T'es obligé de jouer l'hypocrite, etc., genre... quand il est genre 19h, t'es en train de faire tes courses, tu sais, t'as travaillé toute la journée, t'arrives à la caisse, t'as un caddie rempli, et là t'as une gentille petite vieille qui arrive derrière toi avec des yeux, tu sais, de petit chien battu et qui fait ah, vous étiez avant moi, je crois. Et là. Et là, évidemment, tu dis à la vieille, ah ouais, ouais, bon, ouais, passé, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais c'est pas ça que t'as envie de lui dire à la vieille. T'as envie de lui dire, oh là là, bébé là-haut. Quoi. Tu m'as confondu avec l'abbé Pierre, c'est ça. Allez, va faire à la queue, va. En plus, t'as que ça à foutre. Mais c'est pas ça que tu lui dis à la vieille. Ah putain. Mais ce sketch, mais il est tellement parfait. Et ça finit évidemment par... Ah, et quand je rencontre les fans, quand je rencontre des gens qui sont venus au spectacle et tout, et qui me disent à la sortie du spectacle, ah bravo, c'était génial et tout, ça, bizarrement, ça, c'est sincère. Ah, putain. Ah, ce sketch, il est magique. Ce sketch, il est magique. Ouais, c'est Ligue.
Il y a qui que j'aime bien aussi dans les humoristes qui est pas trop connu. Dans les années 80-90, il y avait Alex Métayer aussi que j'adorais. Certains de mes sketchs préférés ont été écrits par Alex Métayer. Raymond DeVos, bien sûr. Même si Raymond DeVos, il a quand même eu son heure de gloire dans les médias normaux, on va dire. Je veux dire, tout le monde s'accordait à dire qu'il avait vraiment un talent inouï pour l'écriture. Certains des jeux de mots de Raymond DeVos sont encore extrêmement intelligents. Coluche, bien sûr, des proches. Enfin, il y en a des dizaines, hein, mais... Alex Métayer, à mon avis, ouais, il aurait peut-être mérité un petit peu plus de reconnaissance. Le stage socioculturel, quoi. Putain. Avec la carrière, les champs des paysans dans les montagnes et tout. Alors on appelait ça les truites. Donc les truites, c'est un plat typique de la région. Ce sont des pommes de terre coupées en bâtonnets, jetées violemment dans l'huile bouillante. Putain. Les truites. Le stage qui t'oblige à fabriquer ta carrière et à manger avec ta carrière. Le Capel Bloui, tout ça, enfin bon, non, ce sketch, il est vraiment, vraiment à entendre. Allez, on approche de la fin du premier farming. Oui, parce qu'il y en a un autre derrière. Ah là là. On s'en fout, c'est pour le 99. C'est pour les 99 points de vie. Tellement classe cette musique. Le donjon de fin de Landstalker. C'est marrant, mais dans le run 100% de Landstalker, en tout cas dans le speedrun, on farm aussi cette zone. On farme aussi cette zone pour se faire de la thune et acheter tous les derniers objets qu'il nous manque. En revenant à Mercator. Au passage, là, on a chopé toutes les réserves de vie du jeu normal. C'est-à-dire qu'on est censé finir à 84 points de vie. Le 85e point de vie que vous avez là, c'est celui qu'on a déjà acheté au marchand. Et donc on va acheter les réserves de vie qu'il nous manque au marchand, justement. À 1200 pièces d'or chacune. Encore en faire deux, et ensuite on se barre à Mercator. Il me semble que tu peux utiliser qu'une seule fois le ticket du vieux qui triche. Mais de toute façon, on va faire la quête du vieux qui triche quand on sera à Mercator.
Et voilà, Mercator. Du coup, on va acheter tous les objets ici. Allez, claque ta thune. Ok, parfait. On va aller visiter les autres marchands parce qu'il me semble que j'ai acheté l'armure. Ouais, j'ai acheté l'armure, j'ai acheté la cloche aussi, mais on va quand même vérifier. Le maître d'armes est ici. Va chier. Va chier. Allez, le vieux qui triche. Le petit exploit dégueulasse. Comment ça la triche? Respectez-vous. Je me demande s'il va réussir à faire de la triche. Parce qu'en fait, ce connard, lorsque vous arrivez à tuer un monstre, et ben il a quelques frames où il est encore actif derrière. Donc du coup, vous êtes bloqué par le jeu, mais lui, il peut continuer à vous attaquer. Et ça, c'est dégueulasse. Va chier, va chier, va chier, va chier, va chier, va chier. Ah non, non, mais s'il te plaît. Voilà, et là, on triche vraiment. Là, on triche vraiment. Et merde! Wow.
Ne t'approche pas, saloperie. Oui, je veux continuer, va chier. Ah, les squelettes. Les ennemis de la triche infinie. Niquer le vieux. Ha! Bien fait pour toi, vieil enfoiré de tricheur. Eh, salut ma jolie. Ah mais y a plus de respect quoi. Y a plus de respect. Le sel. Le sel. Il est salé le vieux. T'es normalement censé faire ça legit à base de casse-toi, ne m'approche pas et courir dans tous les sens, c'est ça. Exactement. Sachant que si lui te touche une fois dans n'importe quelle forme, le jeu est terminé. Non, non, mais je vous invite à essayer hein, le combat contre cette vieille ordure. Non. Là, il faut que je retourne à Casalt. Non, toujours pas. Est-ce que tu pourrais réfléchir deux secondes à ce que tu es censé faire, Canon? Merci d'avance. Allez, direction le marchand. Pour acheter 6 ou 7 cœurs. 6 cœurs peut-être. Si vous rentrez par là, ça vous évite de vous taper la ligne d'introduction à chaque fois. Alors que si vous ressortez par la porte normale, il va vous redire à chaque fois « Ah, j'avais pas vu de client depuis des lustres !»
Ah, j'avoue que ce magasin. Ce que je trouve super bizarre, c'est qu'ils n'ont pas du tout changé la façon dont on achetait les objets dans Alundra. Bon, excusez-moi, mais il y a quand même pas mal de temps entre les deux. Hein. Bon, il est où mon ticket? Où est mon ticket de thune? Donc maintenant, réessayons d'utiliser le ticket. Non, vous voyez, ça marche qu'une seule fois. Donc du coup, obligé de retourner dans le donjon et de refarmer. Est-ce que je peux reprendre ce téléporteur ou pas? Ce serait beaucoup plus rapide que de devoir refaire le donjon. Ouais, c'est bon. Du coup, on va pouvoir retourner dans le donjon final, le donjon du roi Nol. Pas ce téléporteur là, on prend l'autre. Ce qui va nous amener quasiment à l'endroit du farming. Voilà, c'est pas si long que ça au final hein, pour farmer de la thune et farmer des cœurs dans ce jeu. Donc je crois que le maximum de points de vie c'est genre 160 ou quelque chose du genre. Mais on fera pas ça, on va s'arrêter à 99 parce que voilà, hein, pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on pourra s'acheter 7 cœurs avec 10 000 pièces d'or? Donc 7, ça nous fait. Ouais, ça nous fait 8400. Non. Non. 8200. Bon, qu'est-ce que je raconte? Non. 7 fois 1200. Non, c'est ça, 8400. N'importe quoi, sérieux. Si je pouvais me réveiller 2 secondes, c'est pas un calcul mental très difficile, hein. Ouais, je crois qu'avec 99 points de vie, on trichote le dragon. Quelque chose comme ça. En tout cas, avec l'attaque de glace. Avec l'attaque de glace, je crois que c'est 3 coups sur le dragon. Donc bon, voilà. 99 points de vie, disons qu'on est déjà largement assez fort. Hein, voilà. C'est... On va rester sur cette base.
C'est marrant parce qu'on avait vu avant qu'on se faisait 84 pièces d'or par run. Donc on doit faire 100 runs de cette salle. Donc si vous voulez les compter tel un tas de FF6, amusez-vous bien. On met quoi, 15 secondes pour faire un run. On en fait 4 par minute, donc 25 minutes, quelque chose comme ça. En gros, quelques secondes près. Moi ça me va. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Même pas 18h, hein, c'est parfait. On aura fini normalement avant 19h, à part si vraiment, vraiment je me chie dessus dans le dernier donjon, ce qui est peu probable. Surtout que j'ai plus rien à chercher maintenant dans le dernier donjon, j'ai pas d'items spéciaux à récupérer. Tout ce que je dois faire, c'est juste visiter les salles qui me sont présentées et c'est tout. Donc normalement, ça devrait quand même bien se passer. D'ailleurs, on devrait vérifier à combien est-ce qu'on est dans la pierre oracle. 96%. Donc si on n'arrive pas à 100% affiché sur la pierre oracle, ça veut dire qu'on a loupé des zones dans le labyrinthe vert, par exemple. Mais ça, pour savoir la zone qu'on a ratée, bonjour. Ok, on a fait à peu près un quart du chemin. Même si on a commencé à 200, donc du coup on a fait un petit peu moins du quart en fait. Donc si je me sens suffisamment d'attaque, ce soir, 22h, on commencera la légende de Thor. On verra si je commence en avance, si je commence pile à 22h, on verra. Il faut que je vois si j'ai quelque chose à faire avant. Si je peux commencer vers 21h, c'est pas mal, mais je sais pas si j'aurai tout, si j'aurai fait tout ce que j'ai, tout ce que j'avais envie de caler entre ce stream-là et le prochain. Donc on verra. C'est ça, si tu déclenches pas l'attaque au milieu de la salle, tu tues pas les deux derniers mimiques. Donc ouais, il faut attendre un petit peu avant de balancer la sauce. Sinon tu dois continuer à attaquer, mais je peux te montrer. Hein. Tu vois, le dernier mimique est pas mort. Mais j'imagine que je peux toujours faire comme ça. Parce que je peux le tuer en sautant, mais bon. Ça revient au même. Franchement, ça revient au même. Ça revient au même parce que dans tous les cas, t'es obligé d'aller jusqu'au fond de la zone pour récupérer le dernier sac de thunes. Que tu fasses ton attaque au début ou au milieu de la salle, ça change rien en fait. Parce que tu seras obligé toujours de la traverser en entier.
Allez, 3000. On aura bientôt suffisamment de thunes pour s'acheter 3 cœurs supplémentaires. À 3600G. Ensuite à 4800. 6000. 7200. 8400. C'est vraiment le seul endroit du jeu où l'épée Gaïa a vraiment une utilité, hein, parce que le reste, c'est peu probable de trouver une salle où tu gagnes vraiment du temps en tuant les ennemis via l'attaque spéciale de l'épée Gaïa plutôt que de les taper au corps à corps directement. Parce que là, ça fait tellement peu de dégâts les machins qui tombent là que sur les ennemis qui ont beaucoup de points de vie, tu perdrais énormément de temps à utiliser cette arme. Et vu que de toute façon, à terme, tu vas toujours finir par taper sur le monstre sans avoir ta barre chargée. Ouais. J'imagine que si l'animation était un petit peu plus courte, elle serait probablement plus rentable. Mais... En l'état, elle est inutilisable dans le speedrun, à part dans cette zone-là. Parce que ça te permet de one-shot toute une salle. Sachant que je le répète, mais dans le speedrun 100%, on farm cette salle. Alors, on farme pas autant que là, évidemment. Là, on a passé genre 50 minutes à farmer cette salle. Mais dans le speedrun, on la farme pendant peut-être 10 minutes. Quelque chose comme ça. Parce qu'on doit se faire 3600G, je crois, pour acheter les 4 objets chez le marchand spécial. Donc l'oracle, le grimoire, la cloche et le gâteau. Et tu peux aussi économiser de la thune pour acheter l'armure et la cloche. Chez l'autre marchand de Mercator, si jamais tu veux pas les acheter direct. D'ailleurs, à mon avis, dans la route 100% que le mec a fait le tas a suivi, j'ai acheté l'armure et la cloche en avance avant de partir de Mercator. Et à mon avis, c'est plus rentable d'utiliser cette thune pour acheter le cœur qui se trouve au marchand avant le lac, avant le sanctuaire du lac. Donc en gros, on a moins de protection parce qu'on n'a pas acheté la première armure, mais on n'a pas à revenir vers le sanctuaire du lac pour acheter le cœur qu'il nous manque à la fin. Donc peut-être, à mon avis, c'est légèrement plus rapide de faire comme ça. On gagne la thune via le mini-jeu dans Mercator. On est à peu près à 1600 pièces d'or, 1700 pièces d'or, quelque chose comme ça. Et on se sert de ces 1700 pièces d'or pour acheter toutes les réserves de vie chez les marchands jusqu'à la fin du jeu. À part évidemment celui de Casalt, que lui, on n'achète pas. Que c'est la réserve de vie infinie et qu'on peut voilà qu'on peut pas ne plus en avoir en marchant. Bon allez, 5000. Donc, allez, là on est à plus 4 points de vie, donc il nous en manque 3. Il nous manque celui à 6000, 7200, 8400.
eh ben, c'est quand même abrutissant. Autant j'ai pas mal de. J'ai pas mal d'endurance, on va dire, pour le farming. Autant celui-là, passer d'une zone à l'autre et récupérer la thune. C'est quand même pas le farming le plus intéressant que j'ai eu à faire dans ma vie de joueur. Ça faut bien l'avouer. Au moins, si on jouait à FF12, on aurait pu tout automatiser. On aurait pu faire un gambit. Entre dans la salle, fais deux pas, balance, saute, balance l'attaque. Et ensuite, tu vas jusqu'à la fin de la zone, tu reviens sur tes pas et tu prends la porte. Et ensuite, tu fais un go to 1 et tu laisses le jeu faire en boucle. Non, je sais bien que les gambits ne font pas ça. Là, ce qu'on pourrait faire... Non, on peut même pas... Il n'y a pas de bouton sauter dans les gambits, mais vu qu'il n'y a pas de saut dans les Final Fantasy, mais... Vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, là, il y a... S'il y avait moyen d'automatiser les combats, ce serait très facile à faire. Après, FF12, tout ce que t'avais à faire, c'était de courir pour déclencher le combat, mais après, t'avais des monstres que tu pouvais farmer 100% gambit. Ouais, c'est ça. Le principe, c'était ouais de bloquer le stick. Il y avait un... Je sais plus où il était, cet endroit-là, mais il y avait un endroit où tu pouvais combattre des chauves-souris. Et du coup, tu pouvais tourner sur toi-même pour déclencher le combat. Et après, le combat se faisait automatiquement. Du coup, tout ce que t'avais à faire, ouais, c'était de foutre un élastique entre tes deux sticks. Le stick de contrôle et le stick de caméra. Et du coup, le personnage tournait sur lui-même. Et il faisait ses niveaux comme ça, tout seul, via les gambits. J'avais vu la vidéo à un moment qui expliquait ça. Allez, plus que deux cœurs à acheter. Là, on a assez pour 5. N'empêche, je suis sûr qu'il y a plus de gameplay dans le farming de ces mimiques que pendant la recherche de Shiny sur Pokémon. Je vous laisse disserter sur cette phrase. Quoi? Come at me, bro. Come at me, bro. Soyons sérieux, Pokémon c'est juste un simulateur de menu, voilà, faut arrêter de se raconter des bêtises. Euh,
Pokémon, c'est le niveau 0 du gameplay. D'ailleurs, tout ce que t'as à faire dans Pokémon, c'est littéralement de te balader dans des menus. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses hein, qui battent Pokémon hein, en termes de gameplay. Je suis quasiment sûr qu'il y a plus de gameplay dans Clicker Heroes que dans Pokémon. Après, je veux bien qu'on dise qu'il y a légèrement plus de stratégie dans Pokémon. Ça, je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Mais, voilà quoi. Voilà quoi. Tous discutent. Hein. Eh oui, on a bientôt fini. Ah oui, 1400, on se casse. On va revisiter Casalt. Non, mais mec, dans Clicker Heroes, tu dois choisir combien de niveaux tu mets à tes héros, quoi. Attends, c'est quand même quelque chose que tu peux même pas faire dans Pokémon. Ah ouais. S'il te plaît. Il y a plus de Pokémon dans Pokémon que dans Clicker Heroes. Bref, ouais, ah. J'imagine, moi je joue à Clicker Heroes avec les ennemis tout petits. Donc techniquement, ça pourrait être des monstres qui tiendraient dans ma poche. Et vu que là, ma partie de Clicker Heroes, elle est au level 6200. J'ai probablement rencontré plus de Pocket Monsters dans ma partie de Clicker Heroes hein, depuis ce début de ce stream que dans tous les Pokémon. Oh mon dieu! On peut se barrer d'ici! C'est incroyable. Allez, on va acheter ces trucs là et ensuite on fait le donjon. Allez, hype. Direction Casalt, on achète ces trucs là et ensuite on se dirige nonchalamment vers les derniers boss, puis on verra du coup hein, si on a ce 100% validé, on verra bien. Allez go Casalt. Allez, 93. Moins 14 ans, mon dieu! On va en profiter pour acheter les... Les ek-ek. De toute façon, on est safe, on avait 46 pièces d'or de plus. Ce qui nous permet du coup d'acheter les deux ek-ek qui nous manquent. Peut-être même un troisième, mais là on n'en aura pas besoin.
Ah! Si, on aurait pu s'en acheter un troisième, c'est 15 pièces d'or le hec hec. Donc ça. Ah, une pièce d'or, ça passe. Il nous resterait legit un gold si on avait un. Si on avait utilisé un hec hec de plus. Ouais, c'est 15 là. Allez, juste pour finir à un gold. Un gold, les gars. Un G, bordel. C'est bon, ça. Non, 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 non. On va pas refarmer 999 gold. Je vous laisse faire ça. Non, ça va, on a déjà passé 50 minutes à farmer, c'est bon. C'est bon, là, ça va suffire. Ces ennemis-là qui doivent avoir quasiment autant de vie que le roi Nol, hein, ces machins-là, ces statues. Des fois qu'à un moment j'ai un. Si je veux me faire un screenshot justement avec 9999 pièces d'or, je me garde une petite safe state à cet endroit. Si vous êtes gentil et si je suis motivé, je farmerai ça en offline et je posterai la photo sur mon Twitter avec des 9 partout. Alors du coup, on va tomber direct. Ce sera fait. Ah non, mais de toute façon, on visite cette salle obligatoirement, donc j'avais pas besoin. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, maintenant, on one-shot la vie, donc voilà. Oui, ça va. Tiens. Le petit bug exploite hein, pour sauter sur la plateforme d'au-dessus. Bon. Ouais. Voilà. Vous m'avez compris. C'est con, on avait déjà 9 dalles, du coup je me suis fait chier à faire l'énigme pour rien. Ce n'est pas grave. Non, j'ai besoin de tuer les ennemis parce que j'ai besoin d'un genre d'un pot qui apparaît en bas. Et oui, un pot. Un pot fisco, un pot loco, un pot direct et un pot indirect. Un pot foncier, un pot rentier. Un pot sur les grandes fortunes, un pot même si t'as pas de thunes. Là, mes frères qui rappent tout, bien sûr. Alors là, je savais plus où j'étais dans
dans la perspective. Oh merde. Oh non, t'es sérieux? T'es sérieux? Oh là là. Je m'insurge sur ce qui vient de se passer. Franchement. Non. Je pense qu'il est derrière en fait ce truc-là. Celui qui vient de... d'en haut à droite. Pourtant j'étais sûr qu'il était là. C'est quoi la perspective dans ce truc là déjà? C'est bizarre, je me rappelle pas avoir eu beaucoup de mal d'habitude à terminer cette zone-là. Bref, pas grave. Ah non, mais non, mais non, mais pitié. Tu fais n'importe quoi, Canon, s'il te plaît. Calme-toi deux secondes. C'est bon, je pense que j'ai trouvé un angle. Là, il est trop loin. Putain, mais c'est pas vrai! Putain, là, j'étais sûr de tomber dessus, quoi. What? Mais pourquoi t'es tombé con de mime, va? Mais j'ai absolument pas bougé. Alors si le jeu commence à tricher sur les phases de plateforme, on va pas être simple, on va pas être copains. Là je vais commencer à m'insurger légèrement. Ces setups qui sont jamais bons. We'll be right back.
Je t'emmerde, la salle. Voilà. Ça c'est dit, ça c'est cadeau. Je t'emmerde bien fort. D'avance, merci. Non, mais le coffre, j'en ai rien à battre, en fait. Je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de clé à récupérer dans ce donjon, donc non, bah, va te faire voir. Bien comme il faut, merci d'avance. Bien joué. J'étais sûr qu'on pouvait descendre directement. On va pas se jeter dans le trou. Je vais d'abord aller voir ce qui se passe ici. Ah mais la quête des statues, elle est infâme. Hein. Celle où il faut se placer sur le chemin. Putain mais quelle merde. Tellement relou. Et voilà, le début du boss rush. Ouais, la pancarte dont je parlais, c'est celle qui est en dessous des gros boulets rouges qui tombent. Et si vous l'activez pas, enfin si vous la lisez pas, au moment où vous tombez dans le trou, il n'y a pas la plateforme qui apparaît et du coup vous vous retrouvez dans la salle avec les squelettes tout en bas. Oh mon dieu! Préparez la hype!
C'est ça, bientôt le world record du 100% affiché à la pierre oracle, exactement. Et 99 points de vie. Ne touchez pas, sortez, ils sont à moi! Les trésors sont à moi! Vous m'avez devancé, mais comment? Mais peu importe! Peu importe! Grâce à vous, je ne suis pas obligé de me battre contre les monstres, Ryl! Vous êtes un parfait petit assistant! Regardez les jolis trésors de l'or, des pierres, que c'est beau tout ça! Ah, Ryl, j'ai l'intention de vous payer pour tous vos efforts, c'est normal. Que diriez-vous de 20 or? Ah, j'imagine qu'avec ça, vous pourrez vous payer toute une barre de chocolat! Ah, j'ai fait une blague. Ah, ça l'ouvre moins maintenant. Saloperie de labyrinthe vert à la con! Voilà, c'est officiellement un run 99%. Ouais, j'imagine qu'on finit sur des 9. On finit sur plein de 9, voilà. On a 9 ek-ek, on a 99 points de vie, alors on finit sur un 9 supplémentaire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous pouvez pas tester. Putain! Oh là là, la déception. La déception. Eh ouais. Vous avez le droit de vous plaindre. Vous avez le droit de vous plaindre. On n'a pas eu un run 100%, on a eu un run 99%. Salaud, remboursé. Rends les trésors, exactement! Ouais, sauf que dans le jeu de base, les trésors sont perdus, hein. C'est ça, faut tout refaire depuis le début. Non! Eh non! J'ai fait un save state avant de refaire le donjon final. Donc techniquement, je pourrais aller refaire la totalité du labyrinthe vert jusqu'à trouver cette putain de salle qu'il me manque. Non mais, good enough. Oh là là, elle dessine un petit cœur. Tiri! Ah, tu as gagné mon cœur brisé. Ah, pourtant j'aimerais bien trouver une belle épée. Oh, mais quel connard! Je te laisserais mourir si je n'avais pas été là. Tu seras. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu viens avec moi ou pas? Ah là là, quand même! Sword Zoned, c'est ça. Ah là là. Eh ben, c'était un Landstalker. Eh ben, quelle belle équipe! Merci.
C'est marrant, mais dans certains jeux vidéo de l'époque, hein, les développeurs prenaient des pseudonymes. Je sais pas s'ils étaient honteux ou quoi, mais en tout cas, là, il n'y a pas de pseudo. Hein. Les mecs, ils sont vraiment fiers, hein, d'avoir fait ce jeu. Ok, donc peut-être que Dogen Shibuya, c'est peut-être un pseudonyme. Ok. Ok, d'accord. Quasiment tout le monde à Capcom faisait ça, c'est plutôt de la... C'est plutôt de la modestie, plutôt que de la honte. Oui, après, oui, j'ai balancé honte. C'était idiot de ma part, hein, bien sûr. Mais... Pourquoi, je veux dire, enfin... Pourquoi être modeste quand t'as participé à la création d'un jeu vidéo? Ça paraît bizarre. Bah, kudos à eux, bah, même si, du coup, on pourra jamais les remercier directement avec leur vrai nom, quoi. Ah là là. Ah, la construction des montres et des pièges, hein. Bien sûr. On a construit des montres et des pièges. Pas mal de petites erreurs comme ça, pas mal de petites fautes d'orthographe, de petites fautes de frappe, etc. Oui, oui, les sites de base de données de jeux vidéo donnent les vrais noms, hein, même s'il y avait les pseudos. Hein, David Cage? Hein, on sait que tu te que c'est un pseudonyme. Hein, monsieur de Grutola? Monsieur de Grutola. Compositeur des musiques de Time Cop sur Super NES, hein, bien sûr. Fin! Fin! Et ben voilà, c'était un Landstalker. Ah là là. C'est beau. C'est magnifique, c'est merveilleux. Ah, il n'y a pas moyen de revenir sur l'écran principal. Allez, vous savez quoi? Pour terminer ce stream en beauté, on va se taper l'introduction de la légende de Thor. Parce que c'est trop la classe. Donc allez, faisons ça. Beyond Oasis. Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que j'ai pas la version française plutôt? Ah, j'ai pas la version française. Je prendrai la ROM française, alors, du coup. En attendant... Mega. Et le Sega. Putain, c'est craqué. Ah, cette image avec les deux possesseurs. Des bracelets d'argent et des bracelets d'or. Oh là là. C'est trop classe.
Ré, Arles et Agito. La bataille épique les a tous les deux détruits. Oh my god! Putain, c'est trop classe. Music by Yuzo Koshiro. Pour une fois que l'ordinateur est pas complètement minable à son propre jeu, ça fait tellement plaisir. Bon, après, bon, quelques soucis, mais globalement, les deux premières salles, elles étaient correctes. Et donc voilà, et vous pouvez fièrement arborer votre bracelet d'or ou votre bracelet d'argent sur ce channel, évidemment. Allez, je termine. Sur ces bonnes paroles remplies de sell-out. Et donc, on se retrouve très très vite pour la suite. Alors je vais voir, j'espère pouvoir restreamer ce soir, je vous tiendrai au courant de toute façon par Twitter. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce let's play quasiment 100% de Landstalker. Voilà, il reste une ou deux zones qu'on n'a pas visitées, mais bon, on va dire que c'était déjà pas mal de réussir à faire ça en stream. Allez, bonne soirée à tous, bon appétit, et puis à très très vite, tout le monde. Et ouais, je vous tiendrai au courant de l'avancée de cette nouvelle émote qui arrive, le tiers de Big Mac. Allez, des bisous tout le monde, à très vite.